retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en direct de mon bureau parce que comme vous le savez, nous sommes confinés. Donc je peux pas vous retrouver ailleurs que dans mon bureau, comme mes filles sont en bas, mon monsieur est en bas aussi, donc voilà, pas d'autre possibilité que de vous parler en dehors de mon bureau. Donc aujourd'hui on va traiter un sujet, vous l'avez vu dans le titre, se lancer sur YouTube. Alors il faut savoir que je reçois énormément de demandes, que ce soit sur Instagram, que ce soit en commentaire sous mes vidéos YouTube, que ce soit sur Facebook, de personnes qui ont envie de se lancer, qui aimeraient se lancer et qui n'osent pas se lancer. Donc je me suis dit pourquoi pas se lancer sur YouTube pendant le confinement. C'est le seul moment où on a vraiment le temps pour ceux qui travaillent. Et puis ça pourra également servir à ceux qui voudront se lancer sur YouTube même plus tard. Bon, pour vous structurer mes idées, je vais pas vous mentir, je vous ai écrit ce que je devais vous dire, parce que sinon j'allais partir en cacahuète totale et la vidéo allait durer 2 heures. Donc c'est parti, je vais vous expliquer tout ça. Alors donc c'est mon avis à moi en tant que petite youtubeuse, si je peux m'appeler comme ça. Évidemment j'ai pas 100 000 abonnés, je me la pète pas ou quoi que ce soit. C'est simplement pour donner des petites clés, des petits conseils, des petites astuces aux personnes qui auraient envie de se lancer. Et comment aussi moi je me suis lancée et comment je l'ai vécu et je le vis au quotidien. Alors c'est parti, première question à se poser quand on se lance sur YouTube. Il faut justement se poser les bonnes questions. Alors se poser les bonnes questions, c'est quoi? C'est est-ce que j'ai du temps pour ça? Il faut savoir que YouTube demande énormément de temps et d'investissement. Du jour au lendemain, on sort pas une vidéo, tic tac, bardaf, je la poste. Non, il y a tout un travail derrière, un travail qui demande énormément de temps. Et puis est-ce qu'on a également du temps pour répondre aux commentaires, pour poster, pour comment est-ce que vous allez vous organiser dans votre vie familiale? Est-ce que vous travaillez, est-ce que vous travaillez pas, est-ce que vous allez avoir du temps pour ça? Donc ça c'est la bonne question. Ensuite, est-ce que vous êtes à l'aise avec les réseaux? Alors il faut savoir qu'on est en 2020, que les réseaux sociaux, je vais vous dire un peu, c'est la vie. Donc que ce soit Facebook, Instagram, bon Snapchat, mais moi je l'utilise pas trop, YouTube, etc. Voilà, il faut être un minimum à l'aise avec les réseaux sociaux. Alors ensuite, est-ce que vous êtes également à l'aise avec la technologie? Alors quand j'entends technologie, c'est le PC, l'appareil photo, le téléphone. Est-ce que vous êtes à l'aise avec ça? Si à chaque fois que vous allumez le PC, vous devez appeler votre copain, votre copine, votre voisin, votre voisine pour vous aider à le faire démarrer, je pense pas que YouTube soit vraiment fait pour vous, sauf s'il y a quelqu'un qui veut bien monter les vidéos pour vous, mais au fur et à mesure du temps, ça va commencer à poser problème. Donc les trois questions essentielles, c'est est-ce que vous avez du temps pour ça? Est-ce que vous êtes à l'aise avec les réseaux? Est-ce que vous êtes à l'aise avec la technologie? Alors si vous répondez oui à ces trois questions-là, vous êtes prêt à vous lancer. Ensuite, deuxième aspect, pour moi qui est assez important, c'est qu'une fois qu'on a répondu oui, aux trois premières questions, il va falloir se trouver un nom. Alors trouver un nom, c'est pas si facile que ça. Pourquoi? Parce que il faut un nom qui soit votre propre identité. Il faut un nom qui vous ressemble. Il faut un nom qui vous colle à la peau. Alors je vous dis tout de suite, les Fanny Nanana du 93, laissez tomber, personne va vous retenir. Non, il faut un nom que les gens vont vous retenir. On voit les grands youtubeuses, tout le monde connaît leur nom. J'ai pas besoin de vous les citer, vous les connaissez. Maintenant je sais pas moi, comme je vous ai dit, les Fanny de la cité 93, ce nom là personne va vous retenir. Il faut vraiment avoir un nom qui sera facile à retenir. Alors une fois que vous avez trouvé votre nom, c'est parti. Alors là il va falloir en créer une adresse mail. Pour ma part, je ne mélange pas mon mail personnel et mon mail YouTube, c'est deux choses complètement différentes. Donc en faire un mail, en faire un Insta, en faire un Facebook si vous en avez envie, ça c'est hyper important. Et c'est hyper important pourquoi? Parce que moi je pars du principe que Instagram, Facebook, etc., en fait c'est ma vitrine. Et YouTube c'est l'intérieur de mon magasin. On se comprend? Bon, ça veut dire que moi, quand je poste une vidéo, je dois en faire la publicité. Donc ça veut dire que je dois inciter les gens à aller la voir, je dois aller chercher les gens pour venir voir ma vidéo. Donc rien de tel que les réseaux sociaux. Ensuite, le contenu. Troisième point, donc le contenu, il faut avoir un but précis pour sa chaîne. Il faut savoir ce qu'on a envie de partager. Alors maintenant, si vous êtes un fan
de gaming, de jeux en tout genre, etc. Lancez pas une chaîne de maquillage. Vous comprenez? Moi, par exemple, je sais pas coudre, je vais pas me dire, bah, je vais faire une chaîne de couture. Voilà, non, moi je sais cuisiner, donc ma chaîne a de base la cuisine. Maintenant, j'adore partager ma vie de maman en général. Donc ça a dévié un petit peu parce qu'au départ, moi, ma chaîne, ce n'était... Je partais dans l'idée de ne faire que de la cuisine, d'où le nom Dans ma cuisine Halel. Mais au final, je nettoie, je m'occupe de mes enfants, je vlogue un peu parce que je vois que ça intéresse. Maintenant, je ne vais pas commencer à faire de la couture alors que je ne sais pas coudre ou du gaming alors que je n'y connais rien. Donc il faut vraiment, comme je vous l'ai dit, avoir une identité claire. Et un très très bon conseil, évitez de copier les autres. Alors copier les autres, ça n'a jamais marché, ça ne marchera jamais. Maintenant, vous pouvez vous inspirer d'une telle ou d'un tel parce que vous aimez son contenu. Mais voilà, copier ne sert à rien, vous inspirer, c'est sans souci. Alors évidemment, on m'a posé une question sur Instagram, c'est comment est-ce que j'avais les idées pour faire mes vidéos? Et bien en fait, les idées, ben, je sais pas, moi elles viennent comme ça. Alors ce que j'ai, je sais pas si je l'ai ici, ouais, j'ai déjà celui-là ici. Alors moi j'ai 50 000 cahiers, dont celui-ci. Et en fait, chaque fois que j'ai une idée, mais j'ai encore un autre, il est en bas. Et chaque fois que j'ai une idée, en fait, hop, je note. Ça, c'est le chargeur de l'appareil. Je note. Et voilà, je note toutes mes idées. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, je m'en fous, je les note. Parce qu'à un moment donné, peut-être que j'en ferai quelque chose. Si j'ai une phrase à dire, si j'ai un truc à partager, je note. Et franchement, c'est la meilleure possibilité de, voilà, de ne pas vous perdre dans vos idées, c'est de noter. Alors dans les téléphones, il y a également, bon, bah, mon téléphone il est là mais il est tout cassé, là, ici il est cassé. Il y a Samsung Note, là je l'utilise aussi de temps en temps pour noter quand je suis à l'extérieur et que paf il me vient une idée comme ça. Ça peut me venir dans la voiture, dans la douche, dans ma chambre, quand on mange, en train de faire les devoirs, quand je vais dans le jardin. Les idées peuvent venir vraiment à n'importe quel moment, donc il faut que je sois prête en toutes circonstances à pouvoir la noter quelque part. Ensuite, quatrième point pour moi qui est important, c'est le matériel. Au départ, vous n'avez besoin de rien. Et d'ailleurs, au départ, je vous conseille de rien acheter. J'ai commencé avec mon téléphone. La vérité, le bon, elle est tout crade parce qu'il est tout cassé. J'ai commencé avec ce téléphone. Franchement, il est cassé de chez cassé. J'ai commencé avec ça. Si vous avez un téléphone et que vous avez une fenêtre pour la lumière du jour, c'est bon, lancez-vous. Chipotez pas sans cet or, j'ai pas ci, j'ai pas ça, lancez-vous. Alors par après, si ça vous plaît, mais vraiment uniquement si ça vous plaît, alors à ce moment-là, vous pouvez investir dans du matériel. Moi, quand j'ai commencé, je suis allée chez Action, j'ai simplement acheté le petit trépied de chez Action, je n'ai même pas là pour vous le montrer. J'ai acheté le petit trépied de chez Action, il coûte même pas 2,99€ je crois. Et ben voilà, j'occupais mon téléphone, je posais mon téléphone, je commençais à cuisiner. Bon, après, quand j'ai vraiment vu que ça me plaisait, ça n'a pas mis longtemps, je l'ai très vite su, je vous l'accorde. Là, je me suis dit, ok ma grande, t'as pas d'appareil photo même pour photographier tes enfants. Et ben voilà, c'est le moment d'investir dans un appareil. Alors, juste pour info, moi j'ai le Canon G7X Mark II. Je vais vous mettre une photo ici ou ici, je sais pas. Moi j'ai cet appareil photo là. Pourquoi? Parce que je voulais vraiment avoir un retour, je voulais pouvoir me voir. En fait là, je me filme et je me vois en même temps. Donc ça c'était hyper important. Alors ensuite évidemment, si vous achetez un appareil, il va vous falloir un trépied. Moi j'ai pris un trépied assez résistant parce que si je filme à l'extérieur ou quelque chose comme ça, il faut quelque chose qui résiste. Moi j'ai pris un trépied de la marque Ama. Je vous mettrai également une petite photo. Je sais pas s'il y en a sur Amazon. Moi je l'ai acheté dans un magasin qui s'appelle MediaMark ici en Belgique, et l'appareil et le trépied. Évidemment il faut la carte mémoire et tout ça, mais bon, ça c'est de la logique. Et alors dans le matériel, alors moi je vous conseille d'avoir un PC. Alors, on peut tout faire avec le téléphone. Il y a des applications pour le faire avec le téléphone. Mais je vous conseille, ça je vous en reparlerai après, mais je vous conseille vraiment d'avoir un PC parce que dans le YouTube Studio Creator, on ne sait pas tout faire avec le téléphone et il y a des choses qu'on ne sait faire qu'avec le PC. Donc moi je vous conseille d'avoir un PC. Moi mon PC franchement, il est nickel. C'est un PC Samsung. Tant que maintenant je touche du bois, il fonctionne et voilà, et moi ça me suffit pour travailler en fait. Alors cinquième point important, c'est le montage de tes vidéos. Alors chez moi, montage égale cauchemar.
Je pense que ça va être chez tout le monde la même chose, que vous, en regardant cette vidéo, pour s'il y a des youtubeuses qui passent par là, qui regardent ma vidéo, quand je vous dis montage égale cauchemar, je suis sûre qu'il y en a derrière le récord qui vont me faire ouais. Voilà, bon. Pour une, il faut savoir que pour une vidéo qui dure une quinzaine de minutes, bon, c'est pas énorme, hein, une quinzaine de minutes, vous en avez au moins pour 3 heures de montage. 3 heures, je vous dis la vérité, 3 heures. Le temps de l'exporter dans le PC ou dans le téléphone, de la mettre dans le logiciel de montage, de faire tout ce que vous avez à faire sur le montage, de la poster sur YouTube, il vous faut au moins 3 heures. Donc ça, franchement, il faut s'armer de courage. La vidéo, moi, je vous la tourne aujourd'hui. Là, la vérité, il est 18h06. Et ben, je peux vous dire que vous l'aurez demain parce que je n'aurai pas le temps de faire le montage aujourd'hui. Donc voilà. Ça, c'est vraiment le point noir. Alors, au niveau du montage, il existe, hein, des logiciels, comme je vous l'avais dit, pour monter avec votre téléphone, des logiciels gratuits. Moi, j'ai commencé sur mon téléphone, je vous dis la vérité, j'ai commencé sur mon téléphone avec KineMaster. Donc, KineMaster, c'est gratuit, c'est intuitif, c'est hyper facile d'utilisation. Maintenant, ça reste du basique. Alors, il y a ensuite Filmora Go. Vous pouvez aussi le faire avec votre téléphone. Filmora Go, j'ai essayé, mais j'ai pas adhéré. Mais voilà, vous pouvez sans problème monter avec votre téléphone. Donc moi franchement, maintenant, depuis que j'ai investi dans l'appareil photo, je monte mes vidéos avec Filmora 9. Alors Filmora 9, c'est payant. Je l'ai payé, il me semble, 80 €. Et franchement, moi j'adore, ça me convient pour le moment. Donc Filmora 9, il va sur, bah, sur PC. Je sais qu'il y a iMovie et Final Cut Pro pour les iMac, mais moi j'ai pas de Mac, donc je saurais pas vous dire. Alors, une chose hyper importante, quand vous allez, donc si tout ça c'est bon, que vous commencez à faire du montage, renseignez-vous, regardez des tutos pour vous aider, regardez un petit peu. Franchement, YouTube, c'est une mine d'or. À vous taper montage vidéo, vous allez, tout va être expliqué. N'hésitez pas à aller vous renseigner. Alors, il y a des youtubeuses qui vous répondront et des autres qui vous enverront chier, la vérité. Moi, franchement, j'ai pas été voir beaucoup de monde pour le montage. Bah, personne en fait. Non, j'ai été voir personne. J'ai regardé 2-3 youtubeurs qui sont spécialisés dans le montage de vidéos et dans la création de contenu. Ça m'a aidé. Et puis après, bah, j'ai chipoté toute seule et j'ai trouvé toute seule. Donc moi, j'avais quand même déjà des bonnes bases en informatique. Donc ça me posait pas trop problème. Mais voilà. Donc n'hésitez pas à vous renseigner, regarder des tutos, etc. Alors dans le montage, si j'ai un conseil, oh ma blouse, elle est super mal mise, voilà. Si j'ai un super bon conseil à vous donner dans le montage, c'est faites attention aux musiques que vous utilisez. Il faut vraiment qu'elles soient libres de droit. Donc pour trouver les musiques, vous tapez sur Google musique libre de droit, vous allez en trouver plein. Ne vous dites pas bah tiens, j'aime bien la dernière d'un tel chanteur ou d'un tel chanteur, je vais la mettre dans ma vidéo. Non non, YouTube il va vous griller direct. Et s'il vous grille pas tout de suite, quand vous demanderez la monétisation de votre chaîne, c'est à ce moment-là qu'il va vous griller et qu'il va vous dire oh ma cocotte, musique-là, elle n'est pas libre de droit. Donc hop. Et si vous vous faites prendre par YouTube à utiliser une musique qui n'est pas libre de droit au moment de la demande de la monétisation, ils vous mettent 6 mois sans pouvoir demander à être monétisé. Donc 6 mois, c'est énorme, c'est une grosse sanction. Alors une fois que la vidéo est montée, donc le point numéro 6, c'est la miniature. Alors parce que évidemment, quand vous allez sur ma chaîne YouTube ou d'autres chaînes YouTube, vous voyez donc tout le détail des vidéos et vous voyez des petites photos. Alors les petites photos, elles apparaissent pas comme ça toutes seules. Les petites photos, il faut les faire soi-même. Alors il faut les faire soi-même, c'est-à-dire que il faut prendre une photo, il faut la découper, il faut la mettre au format YouTube. Ça prend aussi du temps. Alors moi pour ça, j'utilise mon téléphone. Je n'utilise pas d'application sur PC, j'utilise vraiment mon téléphone. Et j'utilise une application qui s'appelle Pixar. Alors Pixar, c'est hyper facile. Donc vous prenez la photo que vous voulez, et puis vous savez mettre des titres, vous savez mettre plusieurs photos, vous savez faire des petits montages. Vous savez également mettre voilà, des petits mots, enfin vraiment ce que vous voulez avec Pixar. Et après vous savez la retransférer directement dans YouTube Studio. Donc la miniature, pour moi, si je peux vous donner un conseil, c'est la première chose qu'on verra de votre vidéo. Donc ça veut dire qu'il faut qu'elle soit attirante. Il faut vraiment que les gens aient envie de dire ah bah tiens, cette vidéo là, paf, je vais aller la voir. Voilà. Ensuite,
Le septième point que je vais aborder, donc, ce sont les réseaux sociaux. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les réseaux sociaux, donc, c'est pour moi ceux qui marchent. C'est Instagram en premier, Facebook en deuxième. Alors, les réseaux sociaux, il faut les entretenir. Ne venez pas vous dire, ah bah ouais, tac, je mets un post, machin et tout, dans 2 heures, j'ai 100 abonnés. Ah non, non, pas du tout, ça marche pas comme ça. Il faut mettre la vidéo, il faut mettre des hashtags, il faut aller chercher les gens, il faut, enfin voilà, il faut entre guillemets, vous vendre. Dire, ah bah tiens, salut, j'ai sorti une vidéo sur ça, tiens, bah viens voir si ça peut t'intéresser. Voilà, les gens, ils viendront pas d'eux-mêmes, il faut aller les chercher. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut vraiment être habile au niveau des réseaux sociaux et de s'y connaître un petit peu pour pouvoir y arriver. Alors, 8e point, et celui-là, je sais que ça vous titille. Je sais que vous avez envie d'entendre parler de la rémunération. Allez, on y va. La rémunération, bon. La rémunération, donc pour être rémunéré sur YouTube, il faut être partenaire de YouTube. Alors pour être partenaire de YouTube, pour y accéder, c'est très compliqué, on s'arrache les cheveux, hein. Donc il faut avoir 1000 abonnés et 4000 heures de vues au total sur la chaîne. Comment vous dire, les 4000 heures, c'est la galère, c'est très très difficile à atteindre. Donc voilà, maintenant il faut faire des vidéos, il faut pas trop en faire non plus pour pas saouler les gens, il faut pas en faire trop peu pour ne pas qu'on tombe dans l'oubli. Donc c'est assez compliqué, donc il faut jauger, voilà, il faut que vos vidéos plaisent et il faut, ben voilà, il faut entre guillemets se faire voir, pas aller se faire voir, hein, se faire voir. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la rémunération sur YouTube, elle se fait sur base de publicité via Google AdSense, qui est le partenaire de YouTube. Donc bah là, une fois que vous serez à ce niveau là, bah voilà, je pense que vous saurez comment ça se passe. Il faut créer un compte Google AdSense, je vous le fais en très vite parce que sinon la vidéo va durer 2 heures. Il faut aller sur Google AdSense, il faut se créer un compte, il faut relier sa chaîne YouTube à Google AdSense, et puis une fois que YouTube a validé votre chaîne, alors vous pouvez prétendre à être monétisé sur YouTube pour les vidéos. Voilà, donc à condition qu'elle respecte bien tous les critères par YouTube. Alors le 9e et dernier point que je vais aborder avec vous, ce sont mes conseils. Donc qu'est-ce que je peux vous conseiller, donc pour commencer sur YouTube? Déjà, si vous voulez percer sur YouTube, il faut pas le faire dans un but de gagner de l'argent. Pas du tout. Il faut le faire parce que vous êtes passionné, parce que vous avez envie de le faire, parce que le monde de la vidéo, de vous exposer entre guillemets, vous attire, ça vous plaît. Il faut vraiment le faire par passion et il faut que ça en devienne une passion. Si on n'est pas passionné par ce qu'on fait, surtout sur YouTube, lâchez l'affaire, ça marchera pas. Je vous le dis tout de suite parce que la passion, elle se ressent dans les vidéos, elle se ressent dans le montage, elle se ressent dans le temps qu'on y passe, elle se ressent vraiment dans tout, la passion. La passion, c'est le moteur pour arriver sur YouTube. Alors également, il faut de la motivation. Alors si vous n'êtes pas motivé, franchement, bah, laissez tomber quoi. Non, non, la motivation, vraiment, il faut rien lâcher. Alors, il y a des coups durs, j'en ai eu un il n'y a pas longtemps. J'ai des connaissances qui en ont, qui sont en plein dedans. Voilà, il faut vraiment ne rien lâcher. Il faut continuer. Il faut vraiment, voilà, si vous aimez ça, c'est comme dans tout. Si demain vous aimez le foot, eh ben, il faut persévérer, il ne faut pas lâcher. C'est comme dans tout. Voilà, vraiment persévérer pour y arriver. Alors ensuite, il faut de la patience. Il faut de la... le maître mot de YouTube, c'est patience. Il y a un dicton qui dit « Tout vient à point à qui c'est attendre ». Ça, c'est trop beau. Je sais plus qui l'a dit, mais c'est génial. Et ça, c'est la vérité. En fait, plus vous allez être patient, vous allez être motivé, vous allez être passionné, et bien petit à petit, les abonnés vont arriver. Vous allez faire des connaissances, vous allez faire des rencontres sur YouTube. Et voilà, et petit à petit, ben, votre chaîne, elle va grandir, grandir, grandir. Vous allez avoir une communauté super, avec des retours super, avec des gens géniaux. Et voilà, mais bon, la patience, c'est vraiment le maître mot. Alors ensuite, il faut de la constance. Donc, il
il faut vraiment être constant dans ce qu'on fait. Si on ne veut pas être victime de la lassitude des gens, il faut être là, il faut être constant. Il faut pas dire bah tiens cette semaine-ci je bardave, je poste 4 vidéos et pendant 15 jours j'en poste pas. Bah non, parce qu'en fait vous allez tomber dans l'oubli, et quand on tombe dans l'oubli, les gens après ils se désabonnent. Donc limite c'est mieux de poster une vidéo par semaine pendant 4 semaines que de poster 4 vidéos la première semaine et plus rien poster les 3 qui suivent. Vous comprenez un peu le délire? Pour éviter, voilà, comme je vous dis, que les gens se lassent, que les gens s'ennuient. Et ben voilà, le problème c'est qu'une fois que les gens se lassent et que vous faites chier les gens, ils se désabonnent. Voilà, c'est pas plus difficile que ça. Alors évidemment, il va falloir être prêt parce que sur YouTube il y a un aspect négatif. Alors on va le dire, on va parler sans chichi, il y a des points négatifs dans YouTube. Ça veut dire que bon, en fait il faut être mentalement très 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 fort. Pourquoi? Parce que vous allez faire face à des critiques, vous allez faire face à de la méchanceté gratuite. Vous allez faire face à du rabaissement, vous allez faire face à de la jalousie, et ça, c'est pas évident. Alors moi, à mon niveau, en tant que petite youtubeuse, j'en ai, parce que je mentirais de dire que j'en ai pas, mais j'en ai pas tant que ça. Donc, je m'estime heureuse pour l'instant. Mais j'ai quand même... moi j'ai pris le parti de me dire que je validais chaque commentaire avant qu'il soit posté sur ma chaîne. Pour ne pas me polluer l'esprit et pour pas publier, voilà, et pour ne pas polluer mes vidéos non plus quoi. Parce que qu'est-ce que t'es grosse à faire en dessous d'une de mes vidéos en fait, bah ouais je le sais quoi, il est où le problème. Voilà, donc moi les mauvais commentaires me passent au-dessus. Du moins j'essaye, parfois il y en a qui vous atteignent un peu plus que d'autres, mais il faut passer, parce que vous avez tellement de commentaires gentils, tellement de gens gentils, que les méchants en fait, eh ben, ils se font bouffer par les gentils. Donc voilà, mais c'est vrai qu'il faut être très très fort mentalement, il faut être prêt à être, ben voilà, à être jugé, critiqué, montré du doigt, parce qu'il n'y a rien à faire, une fois qu'on se met sur YouTube, on devient entre guillemets public, et là voilà, il faut être prêt pour ça. Et alors évidemment, se lancer sur YouTube, il y a des points positifs, mais tellement, franchement la liste elle est tellement longue que la vidéo elle ferait 2 heures. Les points positifs, donc pour ma part, c'est que j'ai rencontré des personnes extraordinaires. J'ai rencontré des gens géniaux. J'ai rencontré des nanas super. Il y en a une d'entre elles qui est devenue vraiment une amie. C'est voilà, c'est voilà, c'est une amie. Voilà, c'est une amie. On se soutient dans les coups durs, on est là l'une pour l'autre. Voilà, petit à petit avec le temps, on a appris à se connaître et tout. Et voilà, il y en a qui sont de passage, il y en a qui sont de passage dans notre parcours YouTube. Bah, qui s'éloignent aussi vite qu'elles sont arrivées en fait, mais ça reste des gens extraordinaires. C'est pas parce qu'on a pas la même vision des choses ou la même manière de travailler qu'on va se tirer dans les pattes, pas du tout. Il y a des gens exceptionnels, il y a vraiment des gens au grand cœur. Moi, pour ma part, le point positif de YouTube, voilà, ce sont les rencontres exceptionnelles que j'ai pu faire. Alors, ce que j'aime également donc, dans YouTube, c'est que c'est très enrichissant à tout niveau. C'est très enrichissant où, ben voilà, je découvre d'autres chaînes, je découvre d'autres manières de vivre, d'autres manières de monter des vidéos, je m'intéresse, je cherche. Niveau informatique, c'est hyper enrichissant parce qu'il y a des choses que je ne savais pas faire au début que j'avais ma chaîne, que je sais faire maintenant. Et voilà, vraiment c'est très 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 enrichissant. Et pour moi c'est un super passe-temps qui me permet de m'exprimer, de sortir de ma routine qui est parfois très très compliquée et très ennuyante. Mais voilà, ça me permet d'avoir entre guillemets une vie sociale à travers mon écran en fait. Je sais que ça peut paraître un peu bizarre ce que je dis, mais à force de rencontrer des gens, de parler avec les gens, de partager avec les gens, ben voilà, on fait des très belles rencontres, ça passe le temps et voilà. Ben, si ma vidéo vous a plu, ben, qu'est-ce que vous attendez? Allez-y, lancez-vous sur YouTube. Bienvenue dans cette plateforme géniale qui a plein de qualités, bon qui a des petits défauts aussi, mais qui a plein de qualités. J'espère que ma vidéo vous aura plu et aura pu un peu vous aiguiller comme ça pour vous lancer sur votre chaîne, pour éventuellement
Ben voilà, vous lancez dans la grande aventure. Alors ben la vidéo va s'arrêter ici, j'espère que j'ai été claire, concise et précise. J'ai essayé de l'être au maximum. Si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, je crois que vous connaissez la chanson. Si vous n'êtes pas encore abonné, d'ailleurs je comprends pas que vous avez regardé la vidéo jusque là et que vous n'êtes pas encore abonné. Donc abonnez-vous là, le petit rouge s'abonner là, c'est le moment, c'est l'instant, abonnez-vous. Laissez-moi également un petit commentaire, alors j'adore les lire, c'est mon passe-temps. Franchement, la vérité, j'adore quand je reçois des commentaires. Donc n'hésitez pas à commenter la vidéo. Ben moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et surtout prenez soin de vous. Mouah ! Gros bisous et à bientôt.